Spontanément, comme ça, je ne sais pas créer des sujets d'enseignement. Mais quand une question vient, quand on débat, une problématique est posée, je suis très inspiré. Alors, Ma plus grande peur maintenant, si je je dirais ça. peux dire ça, oui, c'est que je ne veux pas enseigner la séparation à mon frère, Frégué. Comment je peux faire ça? La question est à voir à deux niveaux. Premièrement, c'est qui ton frère et deuxièmement, c'est quoi la séparation. Ma compréhension est la suivante. Il n'y a pas de monde. Il n'y a personne dehors. Il n'y a donc personne à enseigner. Il n'y a rien à attendre de personne. Il y a une seule chose, c'est ma paix. C'est la seule chose qui est ma paix. Si ma paix est préservée, tout le reste est secondaire, tout le reste est permis. En résumé, seule boussole, c'est ma paix. Quand elle est préservée, tout le reste est permis, sans avoir l'impression de vouloir atteindre un but, sans vouloir réaliser quoi que ce soit. Le reste est fait comme secondaire. La paix est le trophée. Quand tu as le trophée, tu ne veux pas savoir comment tu as fait pour l'avoir. N'est-ce pas? Bien sûr. La paix est le trophée. Quand tu as le trophée, tu vas te demander si tu aurais pu marquer 3 buts ou 4 buts. Le but du cours est la paix. Point final. Point Tout final. le reste n'a pour but que de te donner le trophée. Point final. Peu importe comment tu l'as eu. Mouta Teresa l'a eu sans avoir étudié le cours. D'accord. Les autres qui nous ont précédés avant que le cours ne vienne ont eu le trophée sans avoir connu le cours. C'est pour ça que le cours dit qu'il n'est pas le seul chemin pour avoir la paix. La paix. Tout ce qui est intermédiaire, c'est à la recherche de la paix. Point De final. la paix. C'est un cours sur la paix. Quand tu l'as déjà, tu as terminé, tu peux jeter le cours. C'est tout. La paix est la salle d'attente de À l'illumination l'élimination. et du conscient. C'est pour ça que l'illumination peut se passer en 1 seconde pour celui qui peut accepter la paix en 1 seconde. Tu as déjà la paix, tu dis, je vais encore aller chercher si j'ai bien fait, si je l'ai eu de la bonne manière. Maintenant, on peut se mentir qu'on est en paix alors qu'on ne l'est pas sincèrement. Le Saint-Esprit lui connaît. Le cours est très facile. Tout ce qu'il veut te donner, c'est la paix. C'est tout. Si tu l'as atteinte, le cours n'est pas obligatoire pour avoir la paix. La paix signifie que la guerre est terminée, qu'il n'y a plus de conflit. La paix signifie que tu as pratiqué le pardon quantique à l'excellence. Ouais. C'est tout. Le cours le dit clairement, le but de ce cours n'est pas l'illumination, mais il est la paix. Je disais que le but du cours, c'est la paix. Nous voulons trop faire. Nous aimons les efforts. On aime chercher. On aime la facilité. On n'aime pas ce qui est donné sur un plateau en argent gratuitement. Tellement toi et moi, on en parlait ici. Il y a des gens, quand ils sont en paix, quand tout leur réussit, ils disent non, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça la vie normale. La vie normale, c'est les deux. C'est pour ça que le cours, à la longue, est ennuyeux pour l'ego parce que l'ego aime des efforts à faire. Quand on te dit que tu luttes dans la victoire, tout est déjà fait, il n'y a jamais rien eu à faire. Tu dis, mais ce n'est pas normal. Je veux mériter. Je veux faire des efforts. Je veux sentir que j'ai apporté ma contribution au trophée. On dit, non, le Ma trophée, contribution. tu n'as jamais perdu. Sois simplement Lumière. en paix et tu y es, point final. Sois en paix et tu y es, point final. Point final, tu n'as jamais rien fait et tu ne feras jamais rien. Or, tu perds la paix quand tu crois avoir fait quoi que ce soit. Que ce soit en bien ou en mal, c'est là que tu perds ta paix. Oui.
Tu ne fais rien. Tu n'as jamais rien fait. Parce que tout ce que tu fais n'est reconnu nulle part. Nulle part. Oui. Pourquoi donc veux-tu savoir si tu as bien fait le cours ou tu n'as pas bien fait le cours? Pourquoi? Il n'y a rien d'important ici dans un rêve si ce n'est se réveiller et être en paix. C'est tout. C'est la fin du cours. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a aucun ego à défaire. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'exercice, de cahier de livre d'exercice à faire, il n'y a pas de cours à étudier. Il n'y a que la paix à rechercher. Maintenant, si pour toi, avoir la paix passe par l'étude du cours, il n'y a pas de problème. Mais ça passe par les livres d'exercice, il n'y a pas de problème. Ça passe par, je ne sais pas moi, de quel entraînement, il n'y a pas de problème. Ou même par quelle religion, il n'y a aucun problème. Même par quelle spiritualité, aucun problème. Rien pour atteindre la paix ne compte pas. Cette paix-là, même, ce n'est pas que tu vas la conquérir, elle est déjà là. Tu veux seulement la découvrir. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Elle est là. Oui. Elle est là. Donc, à tous les niveaux, tu n'as jamais été et tu n'as jamais rien fait. Tu ne feras jamais rien. Mais de quoi on parle? C'est ça. Tout le reste qu'on fait, c'est pour s'occuper, pour se distraire, pour se donner l'impression d'être utile, de pour tuer le temps en prison. Si tu es en prison, le temps est très long. Donc, il faut trouver des occupations, des distractions. Rien à faire. Maintenant, comme tu peux décider que tu veux faire monter un rocher au sommet d'une montagne, tu dis, bon, je vais jouer à faire monter ce rocher au sommet de la montagne. Tu te mets à le faire monter, il retombe, tu dis, waouh, il est encore tombé. Oh là là, mon Dieu. Je dois le faire monter. Ta propre décision, et puis tu as en fait ton propre défi. Tu dis, si je ne le fais pas monter, je ne croirais pas que j'y suis parvenu. On se donne des défis inutiles. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à avoir la paix. Maintenant, la paix, selon toi et moi, n'est pas la paix, selon Dieu. La définition de la paix, selon toi et moi, n'est pas la définition de la paix, selon Dieu. La paix selon un courant miracle veut dire que tu n'adhères plus à deux systèmes de pensée. Tu ne crois plus le moindrement que la dualité est réelle. Parce que la dualité est l'équivalent du conflit. Quand il y a dualité, il y a forcément conflit. Et quand il y a conflit, il n'y a pas de paix. Donc la paix signifie que la dualité pour toi n'existe plus. Elle a été défaite, pas intellectuellement, mais empiriquement. Mm-hmm. Ça, la paix, c'est dans le Saint-Esprit. Mm-hmm. Tu verras que les bouddhistes, par exemple, ils croient qu'ils sont en paix, mais ils ne sont pas en paix, selon le courant miracle, parce qu'ils n'ont pas défait vraiment la croyance à la dualité dans leur esprit. Tout dans le monde est fait pour te faire croire que la dualité est réelle. Mm-hmm. Tout. 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 Tout ce que tu perçois a vocation à te faire croire que la dualité est réelle. Tu as beau avoir une paix apparente à l'extérieur, mais dans le sens du cours, tu n'es pas en paix. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Dès qu'il y a deux choses dans ton esprit, tu ne peux pas être en paix. Inconsciemment, les deux sont en train de se combattre. La paix signifie qu'il n'y a plus qu'une seule chose dans ton esprit, le pur esprit, Dieu. Non, ça n'a rien à voir. La division des choses est obligatoire et inévitable. Ici. Ici. Mm-hmm. Tu ne peux pas unir les choses. Mais quand on parle d'unir les choses en esprit, ça veut dire te souvenir d'abord qu'elles sont toutes pareilles, c'est-à-dire toutes tes illusions. Mm-hmm. Et les unis au niveau de, c'est la même chose. C'est ça l'unité des choses en pensée. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est penser que tous les corps sont les mêmes. C'est-à-dire ton corps et le corps du chien, c'est la même chose. J'en n'aime pas ça. Dès que tu crois que ton corps est plus important que le corps du chien, ou bien de la vache ou du cochon, tu as déjà deux corps dans ton esprit. Oui.
Donc, pour faire simple, le cours dit, pense qu'il y a une seule source de toutes les choses, qui est l'ego, et l'ego ne peut fabriquer qu'une seule chose, c'est une illusion. Un peu comme Dieu n'a qu'un seul fils de Christ, l'ego a un seul fils, l'illusion, elle est unique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le moyen pour atteindre la paix. Apprendre, enseigner à ton esprit que tout ce que tu vois est la même chose. La même chose. Y compris toi. Pouvoir t'imaginer que tu n'es pas différent du fou, du mendiant, du porc, de l'éléphant que tu vois, ton corps. Aussi longtemps que tu crois encore qu'il y a un ordre de hiérarchie, des difficultés dans les miracles ou dans les illusions, tu ne penses pas encore unité parfaite, tu ne peux pas encore être en paix. Il y a encore deux choses dans ton esprit et qui peuvent être en conflit et qui sont même automatiquement en conflit. En conflit, et chaud. J'allais dire qu'ils sont automatiquement en conflit. C'est ça. Donc, pour avoir la paix, tu dois avoir unifié toutes les illusions en une seule, l'ego, et unifié tous les fils de Dieu en un seul, le Christ. Et du coup, le choix devient très simple. Tu choisis le Christ ou l'ego. Tant que tu n'as pas unifié toutes les illusions en une seule, et tous les fils de Dieu en un seul, tu n'es pas encore arrivé à avoir la paix. Ça, un courant miracle. Donc, tu veux avoir la paix, tu te donnes l'impression que tu avais le choix entre des milliards de choses et des corps. Il te dit, balance tous les corps et tous les objets, toute la matière, tout ce qui est perçu dans le même panier, illusion, une seule illusion. L'ego a un seul fils, c'est une seule illusion. Dieu a un seul fils, c'est le Christ. Le Christ. Maintenant que tu n'as plus que deux à choisir, le choix devient facile. Tu choisis le Christ et tu jettes toutes les illusions et tu es en paix. Donc, il est question que dans ton inconscient, profondément dans ton inconscient, personne ne soit différent de toi et aucune chose ne soit différente de ton corps. De manière convaincue, inconsciente, naturelle. C'est ça le défi. Parce que c'est le premier principe des miracles dans le livre. Le miracle, ouais. Il n'y a pas un ordre de difficulté dans les miracles. Miracle, c'est la création du Saint-Esprit. Comme il n'y a pas un ordre de difficulté dans les illusions qui sont les créations de l'ego. Ce que je te dis là, Marie-Louise, c'est le plus grand défi auquel nous faisons face et que presque personne ne comprend, voire ne veut même pas comprendre. Parce que quand tu me dis à quelqu'un que son corps n'est pas différent du corps du porc, automatiquement. Tu dis de quoi on parle là? Et ça, c'était. Que son corps n'est pas plus important que le corps de son ennemi. Tu imagines ça? En fait, il n'y a pas de corps. Comme il n'y a rien. Tu connais tout le soin qu'on met à décorer notre corps, à le faire briller pour le rendre différent des autres. C'est ça. Et le tout, rien ne se passe dans le faire, rien se passe, tout se passe dans l'interprétation. Exactement. Au niveau de l'interprétation, tout se passe parce qu'en fait, il faut savoir que le corps fait, l'esprit interprète. La seule activité de l'esprit, c'est interpréter. Quelqu'un dirait juger ou pardonner. C'est la même chose. C'est deux intentions. Il interprète. Donc, si tu penses au niveau de l'esprit, tu ne penses plus au niveau du faire. Le faire ne compte plus. Si tu opères au niveau de l'esprit, tu n'as plus que deux fonctions. Juger ou pardonner. C'est-à-dire, les deux s'appellent interpréter. Tu vois? C'est quand on est au niveau des corps qu'on va dire j'ai labouré, j'ai pioché,
j'ai conduit, j'ai fait machin, ça devient beaucoup de faire. Si tu les prends pour rien, tu vas commencer à te culpabiliser. Est-ce que travailler dans une brasserie, c'est mauvais? Est-ce que s'habiller comme ceci, c'est bien? Est-ce que machin, ce truc? Là, c'est le niveau de spiritualité de la religion. C'est elle qui opère au niveau du faire. Tu vois, tantôt le gars demandait c'est quoi la spiritualité. La spiritualité, c'est opérer au niveau de l'idée. De l'idée. Et ne se préoccuper que de l'interprétation de tes perceptions. C'est ça la spiritualité. Tu n'opères plus au niveau du fait, il y a trop d'objets à gérer. Mais quand tu opères au niveau de l'idée, deuxième étape, tu compresses, tu résumes, tu généralises tes perceptions en une seule. L'ego. L'ego. Et les fils de Dieu que tu ne vois pas, ils sont dans ton esprit en un seul, le Christ. Maintenant, tu choisis. Lequel des deux? Tu choisis à nouveau. Oui. Et c'est la fin. Donc, si tu te préoccupes le moindrement du monde, de ton faire, si tu l'évalues, si tu le juges, si tu te donnes une valeur par rapport à ton faire, tu es descendu au niveau élémentaire du corps qui fait. Et quand tu es remonté au niveau de l'esprit pour être l'observateur, pour être l'interprète, tu dois apprendre une chose, c'est que le Saint-Esprit, quand tu l'as choisi, il observe sans jamais le moindre commentaire, sans jamais le moindre jugement, peu importe ce qu'il voit. Parce que s'il juge, il rend ça réel. Réel. Tu vois? Et la tentation de rendre réel, de juger, vient de ce que souvent on croit qu'il y a beaucoup de choses. Tu vois? Oui. Donc, l'ego ne peut pas observer sans juger. La différence entre le Saint-Esprit et l'ego, quand tu opères au niveau de la pensée, c'est que tu n'as plus que deux enseignants, le Saint-Esprit et l'ego. La différence entre les deux est la suivante. L'ego juge toujours, le Saint-Esprit ne juge jamais. Point final. Donc, si tu parviens à être l'observateur qui ne juge pas, tu as fini ton cours, tu rentres dans la paix. Tu rentres dans la paix. C'est dans trois niveaux. Le niveau des corps, où il y a beaucoup de choses, où tu crois que tu dois faire pour être meilleur. Tu as fait une vidéo, tu as fait un texte sur ça. Quand je sais que je n'ai plus rien à faire pour être meilleur, j'ai vu ça. Si tu opères à ce niveau, tu opères au niveau de marionnettes, de religieux, de scientifiques, de gens naturels, normaux. Maintenant, quand tu t'élèves au niveau de l'esprit, tu sembles voir plusieurs choses, mais tu les compresses en deux. Les fils de Dieu et les objets. Et les objets. Le corps appartient aux objets, en passant. Si, c'est. Les corps sont du domaine des objets. Les fils de Dieu sont dans ton esprit, ils ne sont pas dehors. Mais dès que tu mets les corps dans les fils de Dieu, tu vas encore t'égarer. Tu auras du mal. Les corps appartiennent au un, qu'on appelle l'ego. Tout ça, c'est là. Tu les balances dans la même poubelle. Et comme le fils de Dieu unique que tu vas garder dans ton esprit est le même que Dieu, automatiquement, c'est Dieu que tu as dans ton esprit et tu es illuminé. Donc, ce que les corps font ne doit jamais être jugé, ni en bien, ni en mal. Ni en mal. Mais tu ne t'interdis rien pour autant en te souvenant de ce que tu n'as rien fait. C'est ça qu'il s'agit. Donc, le cours est apparemment aussi simple, mais il faut le comprendre et pouvoir le mettre en pratique au quotidien. C'est le but des exercices. Tu t'entraînes dans de paradigme, de système de pensée, de moyens de perception. C'est-à-dire, quand on te dit que le fait doit être insignifiant pour toi et que la perception doit être tout. C'est un défi parce que nous, on a été éduqués dans le faire. Dans le faire. Quand on ne fait pas, on sent l'impression qu'on n'est pas, à la hauteur. Le faire parle même d'étudier le cours, de faire des exercices. Le faire, ce n'est pas une interprétation. L'interprétation viendra de ce que tu dis, « Ah, je n'ai pas fait mon exercice ce matin, donc je ne suis pas digne. Je ne suis pas à la hauteur. » C'est ça l'interprétation. Ça, c'est l'interprétation, oui. Oui. Et tu te sens coupable, tu te sens indigne. Là, tu interprètes avec l'ego.
C'est ça. Très facile. Mais ça ne nous rassasie pas parce que nous aimons la culpabilité. On est habitué. On aime les efforts On aime les efforts. mérités et nous culpabiliser d'avoir pas réussi. Une dame m'a dit une fois, Guy, ton enseignement est trop évident et trop clair pour être de Dieu. Ce qui est de Dieu doit être un peu plus compliqué que ça. Quand c'est compliqué, ça devient mystérieux. Ah ouais, Dieu est forcément mystérieux. Donc, quand c'est compliqué, c'est forcément Dieu. Quand c'est trop limpide, une autre m'a dit, ton enseignement est trop intellectuel. Ce n'est pas spirituel. Le cours parle à l'intellect. L'activité spirituelle en arrière, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. L'intellect parle de choisir consciemment. Le spirituel, c'est l'unité parfaite. Tu n'y es pas. Comment tu veux être spirituel quand tu n'y es pas? C'est là que tu veux arriver. Et seul le Saint-Esprit peut t'y conduire. Avant ça, la dualité, c'est l'intellect. La dualité, c'est l'intellect, c'est le choix. C'est ça, la dualité. C'est l'intellect, ce n'est pas le spirituel. Il n'y a pas de spirituel dans la dualité. C'est normal, puisque les gens ne sont pas encore prêts à recevoir un tel message. C'est normal. C'est pour ça que tu ne dois pas chercher à enseigner qui que ce soit. Tu ne dois pas chercher à convaincre qui que ce soit. Chacun comprend au niveau où il veut comprendre, selon son propre Je agenda. vous comprends. Mais chacun y est déjà et chacun y sera. Donc, il n'y a pas à te stresser à vouloir que les gens soient au même niveau de compréhension que toi. C'est pas, je vais dire Non. ça, l'amour, quoi. Parce que c'est comme si tu Oui. demandais à un enfant de 2 ans de courir les 100 mètres olympiques. Faut laisser chacun à son niveau. Donc, l'entraînement, le cours veut nous amener à penser comme Dieu. Et Dieu pense quoi? C'est que le jugement n'est pas utile parce qu'il n'y a rien à juger. Point. Si tu peux ne pas juger, c'est-à-dire étiqueter en bien ou en mal, accoler des attributs qui te font croire que la chose, que tes attributs donnent de la valeur à la chose, que ce qui est grand est beau À la sauce, c'est et ça en fait. C'est ça en fait. où tu rends la chose réelle? C'est un entraînement qui peut durer des vies, mais ça ne tient qu'à ça. J'ai donné l'autre jour une métaphore où je disais, je ne sais pas si c'est dans une vidéo, mais je l'ai encore exprimé autrement, c'est que l'univers est comme un drap blanc, symboliquement parlant. Chacun a le sien, sur lequel chacun a posé des petits bonhommes, des objets, des trucs, des marionnettes, des poupées, des arbres, des voitures, des machins. C'est toi qui poses les tiens et tu dois maintenant les dégager un après l'autre, avec l'aide du Saint-Esprit. Tu peux être très long si tu veux dégager toi-même. Et le Saint-Esprit te dit, si tu veux que je t'aide, mais faisons un seul fagot, on appelle ça les illusions, on appelle tout ça illusion. Là, on va seulement dire, on dégage, et comme ça, il va dégager tout. Mais tant que tu les considères dispersés, individualisés, tu vas dire, bon, cet esprit enlève la voiture, enlève Marie-Louise, enlève l'arbre, enlève. Tu vas finir. Le nombre d'objets à enlever, c'est ce qu'on appelle le pardon, le fait d'enlever donc les illusions de ton drap blanc. Les illusions. Ce que nous faisons quand on veut faire des exercices, quand on veut faire pratiquer correctement le pardon quantique, machin, yaya. Ça peut se faire très rapidement. En décidant que pour toi, il n'y a plus de différence entre les illusions et en demandant au Saint-Esprit, j'en veux plus. Et du coup, comme c'est, elle porte tout le même nom dans ton esprit, illusion, quand il dit illusion, il souffle. L'illusion part, c'est tout qui part. Et tu es instantanément illuminé. Maintenant, décider que tout est le même, ça veut dire que tu ne penses plus qu'ils sont différents. Tu ne penses plus qu'il y a un qui est plus grand, plus petit, plus Plus beau, plus laid, petit, plus beau, plus laid, plus noir, penché, plus femme, plus je ne sais homme, pas. et que sais-je encore. C'est Donc, ça, femme, homme, tout ça. humain, animal, C'est ça. des choses comme ça. C'est ça qui doit disparaître de ton esprit. Ce n'est pas la déclaration que c'est tout ça, c'est de l'illusion, non. C'est l'interprétation que tu en as qui doit changer, qui doit enlever les adjectifs qualificatifs. Et les notions de classe, de race, de groupe. De groupe, Ouais. de famille, Oui. Les corps mari, spécifiques. enfant,
Je vais aller plus loin, Marie-Louise. Oui. Imagine que même mon corps ne doit pas avoir des parties spéciales. Des Effectivement. parties pour lesquelles je dois avoir plus honte que d'autres. Ça devient défiant. Donc, nous nous sommes piégés à un niveau incroyable. Incroyable. Il n'est pas surprenant que ça fasse des milliards d'années qu'on est là à monter, descendre, partir, revenir. Tant que je suis mon corps, tu te rends compte que j'ai inventé la maladie pour rendre le corps réel. J'ai inventé la douleur pour rendre le corps réel. J'ai inventé la famine, la faim, c'est parce qu'on dit la faim, la soif, les besoins du corps pour rendre le corps réel. Le sommeil, les organes de sens pour rendre le corps réel. Et pourtant, tout cela est rêvé. C'est à ce niveau qu'on se piège. Tout ce que tu perçois est fait pour rendre le monde réel. Quel intérêt Dieu a-t-il à se faire mal, à se faire de la douleur? Donc, si j'ai la douleur, c'est que je suis réel. Si je suis réel, ça veut dire que j'ai vraiment quitté le ciel, que j'ai vraiment créé mon propre univers qui est différent de celui de Dieu. Tout attribut, tout concept qui enseigne la séparation montre que je ne suis pas encore en paix, montre que je crois que le monde est réel, montre que je ne veux même pas encore être illuminé. Inconsciemment. En étudiant le cours, en faisant des exercices, en étant chrétien, en étant religieux, en lisant les livres spirituels, en regardant les vidéos, mais inconsciemment, je me mens à moi-même parce que je ne veux pas encore retourner à l'unité parfaite. C'est dans ce jeu que nous sommes. On se ment. On se ment tous. L'unité parfaite. C'est si des gens. Elle dit que j'ai écouté Ken Wamidi. Si 99% des étudiants avaient su de quoi parler un cours à miracle, ils n'auraient même pas commencé. Ils n'auraient même pas commencé. Plus tu comprends de quoi parle ce cours, tu dis waouh. Pour être étudiant de cours, on ne veut pas comprendre. On ne veut pas. On ne veut pas. On veut se mentir. La plupart des enseignants du cours ne le comprennent pas. La plupart. Et quand je disais ça dans le livre de Gaël Renard avant, il avait écrit qu'il n'y a que deux personnes qui le comprenaient à l'époque quand il écrivait son livre. J'étais choqué. Il dit, mais ça de quoi il parle? J'ai dit, mais je veux comprendre cette histoire. Je ne veux pas accepter ça. C'est aujourd'hui que je réalise. Tu réalises aujourd'hui. Oui! L'unité parfaite. Je me souviens de quelqu'un, quand j'ai commencé il y a quelques temps, je lui ai dit le cours nous parle de ce que il n'y a que Dieu et nous sommes tous Dieu. La personne m'a dit impossible. J'ai dû lui trouver le mot Dieu, la phrase dans le cours qui dit tu es Dieu, pour qu'elle dise ah, c'est vrai. On s'est enseigné que c'est un blasphème que d'être Dieu. On s'est enseigné cela. On a peur d'assumer cela. Mais inconsciemment, c'est parce qu'on veut établir la dualité. Et l'autre revers, c'est il n'y a rien à faire, tout le monde est illuminé, dans ce qui est illuminé, il n'y a plus rien à faire. Alors que tu crois encore à la vérité inconsciemment. C'est ça l'autre revers. Il y a des gens qui disent il n'y a rien à faire, le cours a dit qu'on est illuminé, tout le ciel tente, c'est mieux, c'est bien, ça va. Non. Quel regard tu portes sur. Effectivement, c'est pourquoi beaucoup, beaucoup d'étudiants, quand ils commencent à étudier le cours, souvent, ils disent, mais si Jésus a déjà tout fait, si nous sommes tous illuminés, si nous sommes tous au ciel, qu'est-ce que nous faisons encore ici? C'est ça. Y a un défi à comprendre le cours, c'est que chacun de nous est le tout. Chacun de nous est l'univers tout entier. Mais en fait, chacun a sa copie de l'univers. Jésus a sauvé sa copie à lui
Chacun de nous doit sauver sa copie à lui. Elle n'est pas réelle, mais elle n'en demeure pas moins une copie. Elle est rêvée, mais elle est une copie qu'il faut sauver. Donc lui, il a sauvé sa copie en nous enseignant comment il a fait, mais il ne va pas venir te sauver. Personne ne peut sauver ta copie. Personne. Aucune incantation. Personne. Aucun sauveur. C'est toi seul qui va décider un jour de sauver ta copie de l'univers qui est ton esprit. Quand tu le voudras. C'est ça. Mais comme personne n'est perdu, personne n'a rien à craindre, laisse chacun faire à son rythme. Tu n'as personne à supplier, personne à convaincre, personne à manipuler. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Tous ont déjà traversé la ligne d'arrivée, mais on a quand même décidé de faire comme si on faisait la course. On s'est fait des entorses, des douleurs, des machins, on continue de courir. Alors que ton trophée est déjà terminé à la ligne d'arrivée.